Fédération Vélo-Cyclistique de France a organisé hier la nouvelle Cyclocross internationale. Les meilleurs éléments de France, de Belgique, de Suisse, d'Italie et du Luxembourg participaient à l'épreuve. Dans l'équipe de France, on devait déplorer l'absence de Léon Terlinck, champion du Nord, auquel on préféra les Parisiens Peugeot et Berthelin. Avec Terlinck aux côtés de Vasse, il est probable que la France aurait remporté le challenge international, car Terlinck, très fort en ce moment, aurait pu au moins se classer second, si on tient compte de sa récente victoire sur Vermassen. La victoire méritée de Charles Vasse couronne la carrière d'un beau champion de la spécialité. Cinq fois déjà, Vasse avait participé à l'épreuve. Deux fois, la victoire lui avait échappé. Notre gars du pays minier, au cours d'une récente visite, nous disait sa légitime ambition de triompher, tout en regrettant de ne pas avoir Terlinck avec lui. Quoi qu'il en soit, le Nord demeure à la tête du cyclocross français, en dépit de l'oubli dans lequel veille avec soin à le maintenir certains critiques parisiens du cyclisme dont leur partialité étonne les connaisseurs. Il est dommage toutefois que le comité de sélection se serve de leur opinion au moment d'effectuer sa sélection. Quand on pense que l'un de nos confrères du cyclisme de la capitale n'avait même pas compris Charles Vasse dans l'équipe de France possible qu'il avait établie. Le voyant coureur a évidemment mis les choses au point. Charles Vasse a nettement dominé dans la partie purement pédestre du parcours. Le Nordiste s'échappa pourtant avant l'entrée du sous-bois. Sur la route, il parvint à prendre un léger avantage sur Vermassen et à l'entrée du bois, les positions étaient les suivantes. Vasse en tête, suivi à 100 mètres par Vermassen, à 120 mètres par Knickens, puis Sénage, Merch, Barrage, Delny, Boubron, Berthelin, Hot, Peugeot, Tis, tous roulent en haut. Après la longue montée à pied aux étangs de Saint-Cucula, Vasse menait avec 25 secondes d'avance sur Vermassen et Knickens, 60 secondes sur Berthelin, Sénage, Hot. À ce moment, Houbron est victime d'une crevaison. Il change de vélo, ce qui est d'ailleurs interdit par le règlement, et repart avec plus d'une minute de retard. La deuxième boucle ne voit pas de changement important. Vasse augmente son avance à la sortie du bois. Après le trou du diable, il a 40 secondes sur les deux Belges, Vermassen, Knickens, toujours ensemble. C'est avec plus d'une minute d'avance que Vasse franchira la ligne d'arrivée. Gardera sans nul doute un souvenir inoubliable de la belle réception que lui a faite lundi sa ville natale. Malgré le temps froid et la fine pluie qui tombe, 600 personnes attendaient au siège du Vélo Club Avenet l'arrivée de celui qui a glané récemment un titre de champion du monde. Dès sa descente de voiture, Vasse est l'objet de manifestations de sympathie. Un cortège est vite formé pour se rendre à la mairie. En tête, l'harmonie municipale et le corps de sapeurs-pompiers ouvre la marche. Sur le perron de l'hôtel de ville, M. Parent attend Vasse et ses admirateurs. Dans la salle des mariages se déroule alors une manifestation très courte, mais dont tous les présents garderont longtemps le souvenir. Il y a là, entourant M. Parent et ses adjoints, M. René Ropital, le président du Vélo Club Avionnais et ses collaborateurs. Grenier, président du Cyclo Club Lançois, deux majeurs Charles Victor et la majeure partie du cortège. M. Ropital, le premier, retraça les débuts du champion au Vélo Club Avionnais. Ses succès et la vive satisfaction éprouvés à l'annonce de son triomphe. Après avoir souligné les qualités de cran et la persévérance de Vasse, M. Ropital termine en formulant l'espoir de futurs lauriers. Le maire d'Avion lui succède. Lui aussi rappelle les origines du champion. Il met en lumière la valeur morale de Vasse, type parfait de l'homme de chez nous, volontaire, courageux et animé du plus pur esprit sportif. Après avoir souligné d'une façon toute particulière la vive joie de la population avionnaise au lendemain de son tant disputé,
Monsieur Parent termine en renouvelant ses félicitations personnelles au brillant représentant avionné. Monsieur Grenier, président du Cycle Club Bassois, remercie alors et la municipalité d'Avion et les membres du Vélo Club Avionné pour les excellents conseils prodigués à Vasse dès ses débuts. Il termina en rappelant les dispositions toutes particulières de nos représentants et évoqua l'ancien champion Maurice Guérin présent à cette manifestation, Georges Carpentier et Charles Vasse, leur brillant successeur. À l'issue de cette charmante réception, Charles Vasse, dans un geste qui lui fait honneur, alla déposer au monument aux morts les gerbes de fleurs qui lui avaient été offertes. Il a tenu un commerce, Charles Vasse a tenu un commerce près du Vélodrome, commerce de Sic, rue de l'Indépendance, là, de la Fred Maes, pendant des années. Et après s'être retiré, je sais qu'il s'occupait des 4 jours de Dunkerque, il faisait partie de l'organisation, quoi. Et il a tenu un commerce à Dunkerque, un commerce de Sic également, hein, pendant des années. Et après, par la suite, je le voyais plus souvent, il est parti sur Paris, là, c'est pas... Il tenait certainement un commerce aussi là-bas à Paris, quoi. Voilà, il a fini sa carrière là-bas, oui. Il est décédé. On l'a ramené à Avion, là. On l'enterrait à Avion, oui. Dans le caveau de famille. Dans le caveau de famille, oui, c'est ça. Merci Charles et François pour toutes ces belles victoires et places d'honneur acquises. Vous avez honoré votre ville d'Avion au niveau régional et international. Vous resterez encore très longtemps dans nos mémoires.